Et donc le baron von Osten, aristocrate, se trouve avec finalement son honneur bafoué, enfin en tout cas remis en cause, pas bafoué, remis en cause puisqu'on l'accuse de fraude et de tricherie. On dit il y a des trucs, et ce sont ces trucs, il fait croire que son cheval sait compter, mais il lui fait un petit signe, on ne sait pas lequel, qui montre au cheval quand il doit s'arrêter de taper son sabot, et personne ne le voit parce qu'ils sont tellement bien accordés ensemble que personne ne remarque rien, mais c'est un cheval de cirque. Alors le bureau de l'éducation de Berlin n'a pas trop envie de se mêler de cette histoire-là, mais finalement on se sent obligé et va donc nommer une commission. Et dans la commission, il y aura le professeur Stumpf, qui était le directeur de l'Institut de psychologie à Berlin à cette époque, qui est devenu très connu d'ailleurs en psychologie de la musique. Et puis il y aura le directeur du zoo de Berlin, et puis des ornithologues, plutôt des éthologues. Il y aura un instituteur, des gens du bureau de l'éducation. Et il y aura un directeur de cirque, Paul Busch. Je me suis souvenu de son nom parce que c'était tellement surprenant. Et pourquoi est-ce qu'est-ce que va faire? Ils vont créer une commission et vont enquêter. Et on a mis Paul Busch dedans parce que Paul Busch connaît la façon dont dans les cirques, on arrive à dresser les animaux par des signaux imperceptibles que le public ne voit pas. Et c'est intéressant parce que Paul Busch et Stumpf vont par exemple aller voir Wander Rosa, si mes souvenirs sont bons, qui prestait dans le cirque de Berlin à ce moment-là. Il faisait des choses à peu près semblables à Hans, repère tout de suite les trucs, et avec Hans, il n'arrive pas à les repérer. Et donc, ils vont devoir faire une enquête. Et c'est Funks qui va mener cette enquête, parce que, en fait, la commission va rendre un rapport après quelques jours, hein, donc il va rendre un rapport en septembre. Ils vont passer, je crois, une semaine à questionner le cheval et essayer de voir, etc. Et ils n'arrivent pas à voir s'il y a des trucs. Ils disent, on ne les voit pas. Mais en même temps, la possibilité qu'un cheval puisse compter, extraire des racines et des choses comme ça, épeler les lettres de l'alphabet selon leur place dans l'alphabet, des choses comme ça, c'est quand même quelque chose que la psychologie n'est pas prête à accepter trop fort. Et donc ils vont rendre un rapport mi-figue, mi-raisin. Ils vont rendre un rapport en disant, bon, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de fraude, ça on est sûr, en tout cas on ne peut pas les détecter. Mais en même temps, c'est difficile d'imaginer qu'un cheval puisse compter, et donc on demande une enquête supplémentaire. Et c'est Funks, qui était un collègue de Stumpf à l'Institut de psychologie, qui va mener cette enquête avec quelques volontaires, des gens qui sont intéressés par les chevaux, etc. Et cette enquête est très jolie. Et donc je vais reprendre cette enquête telle qu'elle a été menée, parce que Funks a tout consigné, ses résultats statistiques, etc. Puis d'autres en parlent, donc on peut en trouver des articles, etc. Et donc j'ai reconstitué cette enquête. Et comme j'avais envie de m'amuser, puisque c'était un projet entre deux projets, je ne savais pas encore quel allait être le suivant, je n'avais aucune idée du projet suivant. C'est souvent, je n'avais pas envie de me lancer dans un gros truc, donc, puisque je voulais renouer un peu avec la vie et la vie sociale. Et je ne savais pas ce que j'allais entreprendre. Donc je me dis, le temps que je fasse ça, je finirai bien par trouver quelque chose. Ou comme dit une de mes amies, ton sujet finira bien par te trouver au bon moment. Et je mène cette enquête et je lis juste tout au début où je mène cette enquête, ou pendant que je lis un livre de Pierre Bayard, absolument extraordinaire, qui s'appelle « Qui a tué Roger Acrotte ?». Et Pierre Bayard, dans ce livre, qui est vraiment un bijou, a une idée absolument ahurissante et originale. Il reprend un roman d'Agatha Christie, « Le meurtre de Roger Acrotte ». Et il dit, alors là, le culot, c'est magnifique. Agatha Christie s'est fait complètement avoir par ce fat d'Hercule Poirot. Il prétend avoir trouvé le coupable, c'est pas lui du tout. Elle s'est vraiment... Mais il a travaillé beaucoup trop vite, il sait pas du tout ce qu'il fallait faire. Il s'est laissé leurrer par des indices. Alors moi, je vais reprendre l'enquête, je reprends toute l'enquête, je reprends les notes d'Hercule Poirot et tout. Je vous refais cette enquête et je vous la fais convenablement, madame, monsieur, s'il vous plaît. Et donc, bien Bayard... Et alors, un livre qui est super bien monté, c'est un chapitre où il analyse les indices, etc. Il progresse avec l'action, et entre les chapitres, il fait une théorie du roman policier. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas? Tiens, mais quels sont les codes? Voilà, c'est quoi les codes du roman policier? Comment ça fonctionne? Et par exemple, dans ce livre, je ne vais pas spoiler,
la fin, donc je ne vais pas dire qui est coupable ou quoi que ce soit. Mais Agatha Christie, dans ce livre, avait respecté, ou avait en tout cas transgressé très violemment un des codes essentiels du roman policier, le code selon lequel le narrateur n'a pas le droit de savoir plus que vous. S'il sait quelque chose, il doit vous le dire. Et ça, ce code avait été transgressé par Agatha Christie, qui est d'ailleurs un des effets du roman. Je n'en dis pas plus. Je crois d'avoir déjà trop dit. Je suis vraiment désolée. Et puis, et Bayard donc fait ça et arrive à une conclusion tout à fait différente de celle d'Hercule Poirot et donc d'Agatha Christie et trouve un autre coupable qui s'en est finalement bien tiré. Et c'est très beau. Et je me suis dit, mais tiens, mais je vais reprendre l'enquête de Hans, le cheval, et je vais faire la même chose. C'est trop beau comme idée. Je vais reprendre et je vais imaginer que Pfunks a peut-être pu se tromper. Et j'ai de bons indices pour penser qu'il a pu se tromper. Alors, je ne dirais pas donner raison à Rémy Chauvin en parlant de télépathie. Bien, au contraire, c'était l'occasion d'analyser pourquoi l'hypothèse de la télépathie a été évoquée déjà à cette époque-là et pourquoi ils l'ont exclue. Mais en fait, ils ne l'ont pas exclue. Pfunks a fait quelque chose d'extraordinaire d'un point de vue stratégique. C'est qu'il a dit, si c'est de la télépathie, alors la télépathie n'est que de la lecture musculaire. Et ce cheval est un excellent lecteur musculaire. Là, ici, je ne vais pas non plus spoiler trop le truc, dire comment il s'y prenait. Toujours est-il que j'avais de bonnes raisons de suspecter que ce que Pfunks avait découvert était un peu trop simple. Et un peu trop simple, pourquoi ? Parce que je pense qu'il a appris au cheval lui-même, en travaillant quand même deux bons mois avec lui, lui a appris, lui, à lire ses propres signaux que lui-même lui envoyait. Et que fort de cette expérience où le cheval montrait qu'il lisait les signaux, Pfunks pouvait dire, ah ben voilà exactement comment il s'y prend. Mais je pense qu'en fait, on avait un effet de dispositif. Donc Pfunks a utilisé des tas de signaux corporels invisibles pour les autres, dont il pensait que le cheval était normalement, c'est le cheval qui lui a indiqué les signaux auxquels il pouvait répondre. C'est ça qui est compliqué. C'est qu'il a fini par détecter des signaux que le cheval percevait chez les autres quand il les observait. C'était pratiquement invisible, mais il y avait, finalement, quand on savait ce qu'on cherchait, on pouvait les voir. Et lui-même a commencé à mettre en œuvre ces signaux-là. Seulement, là où je pense qu'il se trompe, c'est qu'il pensait que ce cheval ne suivait que ces signaux-là, c'est-à-dire les signaux que lui-même avait pu percevoir. Et donc, il s'est mis à les produire et il a rendu le cheval, finalement, très appauvri, puisque le cheval ne faisait plus que suivre les signaux un peu caricaturaux qu'il lui donnait. Donc, il l'a transformé en automate, si vous voulez. Mais toute la gamme de signaux que le cheval percevait et que nous ne percevons pas, pour savoir quand il devait s'arrêter de compter, Pfunks, ne les ayant pas perçus, ne les a pas mis en scène. Et donc, il a restreint tout le champ de compétences du cheval. Et lui disait, ben, puisque le cheval est un bon lecteur de musculaire, finalement, les télépathes n'ont aucune compétence, il n'y a pas de don télépathique. C'est juste, ils sont capables de lire sur votre visage, votre sourire, vos yeux, vos expressions, etc., quand ce qu'ils doivent répondre et de se faire guider. Donc, ça voulait dire, ça lui permettait de montrer que la télépathie n'est que finalement un truc. Et qu'il n'y a pas de don, il n'y a rien qui dépasse la psychologie bien ordinaire et bien mainstream telle qu'elle était en train de se créer. Parce que c'est ça aussi qui était l'enjeu de l'affaire. Elle se créait la psychologie et elle voulait surtout ne pas se retrouver reléguée avec des choses aussi sulfureuses que des hypnoses où les hypnotisés sont capables de détecter des mots qu'ils auraient. Ou des télépathes absolument fabuleux qui peuvent deviner ce que vous avez dans un coffre chez vous à 300 km de là. Bref, toujours est-il que je lis quand même que le cheval Hans, après l'enquête, Von Osten n'en a plus voulu en disant que Hans l'avait eu jusqu'au bout, qu'il a traité de menteur, de tricheur, de manipulateur. Hans, tu m'as fait croire que tu savais compter, mais en fait, ce n'était que des trucs. Et donc, Von Osten n'en a plus voulu et il a revendu son cheval à un monsieur qui performait déjà avec d'autres chevaux. Et il semblerait que tout ce que Pfunks avait démontré, que le cheval, c'était visuel les indices, ça ne marchait pas parce que quand il faisait dans le noir le spectacle, le cheval arrivait quand même à compter. Donc, très compliqué. Alors, je ne prétends pas avoir... Moi, je n'ai pas résolu l'enquête du tout. Tout ce que j'ai voulu faire, c'est faire comme Pierre Bayard, dire « Pfunks affirme que c'est ça, mais je vais montrer comment il est arrivé jusque-là, comment il a pu monter lui-même un dispositif qui allait, d'une certaine manière, donner raison à sa théorie, et puis et exclure et négliger complètement toutes d'autres dimensions auxquelles lui-même n'avait pas accès. » Et que ça m'a paru un vrai problème de la psychologie, c'est qu'elle se force à négliger, c'est-à-dire presque, je dirais comme les économistes, à externaliser les dimensions auxquelles le psychologue n'a pas accès lui-même
parce que ses compétences sensorielles ou son imagination ne lui donnent pas accès. Ce qui veut dire qu'il y a un appauvrissement de l'objet et l'objet est contraint de fonctionner comme nous pouvons percevoir qu'il fonctionne. Ce qui limite très fort évidemment ses possibilités parce qu'il sera toujours moins bon que nous là où nous fonctionnons et il sera toujours meilleur que nous là où il ne sera pas reconnu comme étant meilleur. Et donc voilà comment j'ai construit ce livre. Et donc il a été écrit ben, comme les autres, un peu vite. Parce que ça m'amusait, parce que c'était formidable, parce que écrire comme un roman policier, c'était quand même un rêve qu'on peut avoir quand on est jeune et qui ne vous lâche pas nécessairement. Et puis le livre est publié sous le titre de Hans, le cheval qui savait compter. Et puis il arrive quelque chose dans ma vie à ce moment-là, et qui est quelque chose de personnel et qui va profondément modifier la façon dont je vais même travailler. Je pense que c'est voilà. Il arrive deux choses dans ma vie au moment même, à quelques jours d'intervalle. Arrive dans ma vie, on est en fin septembre 2003. Oui, Anne sera publié 2004, oui, on est en 2004 ici, oui. Anne sera publiée un an après, mais j'achève d'écrire Anne en octobre 2003. Mais ici, on est en fin septembre 2003, donc je suis dans les dernières lignes de Hans, d'ailleurs qui va être retardé par ces deux événements. Voilà. Hans devait se terminer normalement fin septembre 2003. Et on est donc toute fin septembre 2003, et on est un vendredi, et ma sœur se tue dans un accident de voiture. Et c'est quelque chose qui va profondément bouleverser ma vie, à quantité de niveaux, et que niveau personnel évidemment, parce que mes parents avaient déjà perdu, j'avais déjà perdu une sœur quelques années auparavant, pendant que je faisais mes études de philo. Ma sœur, j'avais une première sœur qui était décédée d'une leucémie, et il n'est pas impossible, mais je déteste utiliser cet argument, que la façon dont j'ai vécu les études de philo avec une telle indifférence et tout, ait été liée aussi au fait de vivre avec une sœur en train de se lutter contre une leucémie et d'avoir peu de préoccupations pour ce que la philosophie pouvait m'apprendre à ce moment-là. Vous avez 20 ans. Vous battez avec le chagrin de vos parents et avec l'angoisse qui pèse dans une maison. Mais toujours décidé que ma paresse était bien suffisante à expliquer ce qui m'était arrivé quand j'ai mal fait mes études de philosophie. Et que je ne peux pas utiliser ma sœur comme aide à la responsabilité du fait que je n'ai pas fait ce qu'il fallait au moment même. Et que ce n'est pas plus mal que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Ça m'oblige à faire autre chose. Toujours est-il que... On est fin septembre et je me retrouve avec l'immense chagrin de mes parents dont nous pensons qu'ils allaient être protégés de ce type de chagrin-là en disant ils ont assez. C'est une réflexion qu'on s'était fait avec mon frère. J'avais un jour entendu Miu Miu à la télé qui disait que les enfants de cette génération, elle est un peu plus âgée que moi, la comédienne, l'actrice Miu Miu, c'est qu'elle disait nous sommes une génération où nous avons dû consoler nos parents d'avoir vécu la guerre. Et c'est vrai. Que nous avions ce sentiment-là, mon frère et moi, on était une famille de 5 enfants, mais que déjà nos parents avaient vécu la guerre, ils avaient tous les deux perdu leur père. Ma mère avait perdu son père dans un camp de concentration, il était résistant, et mon père a perdu son père, mort des privations de la guerre. Donc il est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 42 ans, ou quelque chose comme ça, juste à la sortie de la guerre, et les privations et les difficultés qu'ils ont eues à vivre cette période. Quelque chose. Donc on se retrouvait déjà avec deux enfants qui avaient terriblement souffert de l'absence d'un parent et puis qui se retrouvent à perdre eux-mêmes leur enfant de ma soeur 22-23. Et donc la petite, c'était notre petite soeur à tous, qui meurt en laissant trois tout petits enfants et un beau-frère éploré. Et c'est un choc. Et je suis, donc on est un vendredi soir et le mardi, j'ai rendez-vous avec deux dames qui m'ont écrit quelques temps auparavant un email, Yolande Bacco et Catherine Mariette, et qui me disent qu'elles préparent une énorme exposition à la Grande Halle de la Villette et qu'elles souhaiteraient me demander si je peux leur donner des informations, les aider, etc., etc., pour penser que, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans cette exposition, enfin les premiers pas. Et donc ma sœur meurt donc le vendredi soir et mon mari était assez intéressant à ce niveau-là, je veux dire son conseil était tellement bien. Je lui ai dit mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on va travailler? Est-ce qu'on doit assumer tous les rendez-vous? Est-ce qu'on doit faire face? Est-ce qu'on doit etc. Et mon mari m'avait dit on doit se protéger et on doit faire tout très gentiment. On doit se protéger et on doit faire tout ce qui vous intéresse et qui vous change les idées, qui vous amuse, et on ne fait pas le reste. C'est la seule occasion où on peut faire des choses comme ça. Et je me dis, bon, les dames de la Villette, je garde.
Je garde ce rendez-vous, un enregistrement à la RTB avec Claudine Brasseur. C'était mon premier enregistrement au Jardin Extraordinaire. C'est amusant, elle est super gentille. Je garde. Et les cours, je ne vais pas les donner. Et voilà. Et je garde uniquement les rendez-vous qui vont me permettre d'avoir un petit peu de choses intéressantes et joyeuses dans cette histoire. Et ces deux dames de la Villette arrivent et on parle toute l'après-midi. Et elles sont, je pense, et elles me l'ont dit, extrêmement reconnaissantes du fait que je n'annule pas le rendez-vous et que je décide. Et je leur dis, mais vous ne devez pas être reconnaissante, je vous suis reconnaissante aussi, donc il n'y a pas de dette. Et il se passe que je suis quand même dans un état un peu particulier. Et je me dis, je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé d'être la plus généreuse que je pouvais. Vous savez, je pense que quand on perd quelqu'un, on est parfois dans des états un peu exceptionnels. Bon, c'est vrai qu'on est un peu déconnecté de la réalité, etc. Mais il y a des forces qui vous prennent, qui vous animent. Cette épreuve, vous devez être à la hauteur. Eh bien, on ne sait pas ce que veut dire être à la hauteur, alors on va essayer d'être à la hauteur de tout. D'être digne de tout. Voilà. Et je me suis. J'explose de générosité dans cet après-midi-là. Et je leur dis, voilà, il faut faire ça. Voilà, il y a ça et ça et ça, etc. Et je ne pense pas du tout à moi. Je suis en train de penser. Je les envoie ailleurs. Vous devez aller voir un tel. Vous devez aller voir un tel. Vous devez aller voir Bruno Latour. Ah ben non, on en vient, c'est lui qui nous a dit de venir chez vous. Vous devez aller voir un tel. Il faudrait chercher ça. Et puis il y a des bergers. Il ne faut pas négliger les bergers. Et puis il y a ça et ça. Et donc on passe une après-midi formidable, etc. Dont je ne saurais pas à quel point elles me le diront. Si elles, je le saurais, elles me diront à quel point elles sont sorties vraiment, vraiment heureuses de cette. Et elles m'ont dit avoir eu envie de travailler avec moi cet après-midi-là. Et donc va se passer deux choses. C'est que va se prendre la chose qui sera la plus importante dans ma carrière professionnelle, c'est que je vais être engagée pour mener à bien pendant 4 ans une exposition énorme que j'ai adoré faire, où j'ai rencontré des gens merveilleux, où j'ai eu pleine liberté, où j'ai dû apprendre à écrire des petits textes de 1000 signes, ce que je n'avais jamais fait, moi, vous savez. Quand j'écris un article, en général, il tourne en livre parce que je ne sais pas arrêter. Donc voilà, c'est. Et où j'ai appris. Et où j'ai dû aussi vivre avec toutes les questions que me posait la mort de ma sœur, le chagrin de mes parents, est-ce qu'il fallait faire avec les petits-enfants? D'abord, comment leur dire? C'était la première question quand mon beau-frère m'a téléphoné pour m'annoncer. Donc l'accident venait d'arriver, il a téléphoné du commissariat en me disant, je t'appelle parce qu'il faut leur annoncer, il faut que tu m'aides, tu viens annoncer ça aux enfants demain matin avec moi, il faut que tu sois là à 6 h du matin, etc. Et comment on annonce ça à ses parents? D'abord aller annoncer aux parents, puis annoncer aux enfants. Enfin, bon. Et c'est des épreuves pour lesquelles il faut être. Mais on fait dans l'urgence, alors on fait face. C'est après. Vous faites ça dans l'urgence, vous faites face. Et vous le faites, et je pense qu'on ne le fait pas trop mal. Enfin, visiblement, on n'a pas fait de dégâts, parce que je pense que la plus petite maladresse dans ces circonstances-là, c'est la pire cruauté. Et on a fait avec les enfants comme on a fait avec les parents. Et puis, il s'est passé quelque chose avec les enfants. C'est que. On leur a annoncé, donc moi j'ai de la chance, j'avais beaucoup d'amis psychothérapeutes à qui j'ai pu téléphoner ce soir en disant comment est-ce qu'on fait? Je ne m'étais jamais posé la question, on ne nous a pas parlé de ça en psychologie. Et puis j'ai une amie psychothérapeute, Anne-Laure Schrott, qui m'a vraiment bien, qui m'a apaisée, qui m'a dit est-ce que tu as pensé à parler à tes parents? J'ai dit non, j'ose pas. Elle m'a dit bah, va falloir que tu ailles attendre que ta sœur soit avec toi, enfin bref, très bien. Et puis elle m'a parlé pour les enfants, comment, voilà. Et donc le lendemain matin, j'étais à 6 h du matin avec mon beau-frère et on a attendu que les enfants se réveillent, puis on est allé les voir. Et puis mon beau-frère a dit quelque chose. Ils ont dit, mais alors où elle est maman? Parce que leur dire, elle ne reviendra plus, c'est une chose, mais bon, il faut situer les morts. Et mon beau-frère a dit quelque chose de très intéressant, puisque on vient d'une tradition catholique. Catholique, quoi, catholique populaire plutôt. Hein. On était quand même élevés, pas par nos parents qui étaient quand même des bourgeois un peu sérieux, mais on était élevés dans des écoles de village, etc. Et mon beau-frère vient du même milieu que moi, des écoles de village, avec des institutrices qui nous racontent que le Christ a sauvé, qu'il y avait un soldat, il avait une croix du Christ dans sa poche et la balle a été déviée par la croix, etc. Donc on était nourris d'histoires très populaires, on était nourris d'anges, nous, on était nourris. Pas seulement par nos parents, mais par le milieu dans lequel on évoluait, le milieu éducatif. Et mon beau-frère leur a dit, ben, maman, elle est où? Ben, elle est au paradis, avec les anges, et elle veille sur vous. Et maintenant, à partir du moment où elle sera avec vous. Et très bien.
Et puis quelques jours après, mon beau-frère me demande très vite, est-ce que tu ne veux pas demander à une psychologue de venir voir s'il n'y a pas, il faudrait pas discuter avec les enfants. L'accident, moi, je ne sais pas trop bien comment l'aborder. Il faudrait aborder cet accident. Est-ce que tu n'as pas une amie psychologue qui connaît les enfants? Je lui dis, si, 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 j'ai une amie, voilà. Une amie psychanalyste qui pourrait venir. Et bon, enfin, elle vient. Et à un moment donné, donc elle fait ça très, très bien. Elle prend des petites voitures. Elle montre aux enfants, on va porter les petites voitures. On va montrer l'accident et remettre du concret dans des charges d'angoisse quand même assez élevées. Et puis à un moment donné, elle me demande et qu'est-ce que vous avez dit aux enfants par rapport au fait d'où était leur mère? Mon beau-frère répond tranquillement, elle dit qu'elle était. Et elle nous regarde et elle nous dit très tranquillement, mais ça, vous ne pouviez pas dire. Vous auriez dû dire la vérité que vous ne saviez pas. Et au moment même, je ne réagis pas très, pas trop fort. Et puis dans les jours qui suivent, je me dis, mais ah, il s'est passé quelque chose ici, ça ne va pas. On ne sait pas. Bien sûr qu'on ne sait pas où elle est. Si on le savait, on irait la rechercher peut-être, mais bon. Mais on ne sait pas, bien entendu. Mais le on ne sait pas de nous, qui était le doute le plus profond, ce on ne sait pas de la psychologie était une certitude. La certitude qu'on ne sait pas. C'est-à-dire une certitude qui devait fermer la question. Nous, notre on ne sait pas, il ouvrait toutes les questions. Elle est peut-être au paradis, elle n'est peut-être pas au paradis, elle est peut-être ailleurs, elle est peut-être ici, elle est peut-être. On ne sait pas, elle est peut-être dans les étoiles, enfin bref. Et là, le on ne sait pas, c'était une façon de dire on ne peut rien dire, on ne peut rien affirmer, on ne peut pas savoir. Et donc, vous videz la scène. Nous, notre on ne sait pas, il remplissait la scène de possibilités. Et la psychologie vide la scène de toute psychologie au nom d'une espèce de croisade ascétique où il faudrait être courageux, il faudrait voir la réalité. Mais la réalité, qui sait ce que c'est? Comment pourrait-il mieux savoir que tout un chacun ce qu'il en est d'être de la réalité? Et il m'est venu une colère. Et pas contre cet ami, parce qu'en plus, cet ami, on a renoué sur d'autres modes. Et puis, je sais qu'elle est beaucoup plus souple sur ces questions-là maintenant, parce qu'on en a beaucoup discuté, parce qu'on a fait plein de trucs ensemble sur ces questions-là, parce qu'on a lu des choses, parce qu'on a discuté, etc. Donc, c'était un moment peut-être, je ne sais pas, très bien. Toujours est-il, ou peut-être que je n'ai pas bien compris, c'est possible aussi que je n'ai pas bien compris son on ne sait pas, mais je l'ai pris, voilà, je l'ai, l'interprétation que j'ai donnée à son on ne sait pas, mais comme je vous dis, n'importe quelle maladresse est la plus grande cruauté, on est à fleur de peau, et peut-être que j'ai mal compris, et je n'ai jamais discuté avec elle de cette histoire parce que ma colère, je n'avais pas envie de lui mettre ma colère sur le dos, et qu'en plus, elle était saine cette colère, et que peut-être c'est ce qu'elle a fait. Bon, peut-être que je vais découvrir qu'en fait, ce n'est pas ça du tout qu'elle disait, que je me fourvoie complètement, mais en tout cas, ce qui est issu de cette histoire est bon. En tout cas, m'a permis d'avancer et de faire plein de choses. Il m'a pris une colère épouvantable. Et j'ai eu la chance de lire le livre de Magali Molinier, « Soigner les morts pour guérir les vivants ». Et Magali Molinier écrit un livre magnifique sur la manière dont les Français, aujourd'hui, continuent à entretenir des rapports avec leurs morts. Et elle le fait, elle, dans une perspective d'ethnopsychiatrie, à la Toby Nathan, c'est une élève de Toby Nathan, où elle va dire, tiens, pour les cliniciens, il serait peut-être intéressant, et c'était très novateur ce qu'elle faisait, il serait peut-être, donc on est en 2003 hein, toujours, il serait très intéressant qu'on puisse considérer, comme Toby Nathan peut considérer que les invisibles peuvent être des alliés thérapeutiques dans les cultures du soin où il y a des invisibles, il serait intéressant que les morts puissent être nos alliés thérapeutiques et qu'on puisse compter sur eux pour aider les vivants à sortir du chagrin et à renouer avec la vie. Magnifique projet. Et juste à ce moment-là, je suis donc toujours dans ma colère, il y a je crois que c'est la quinzaine littéraire, je pense que c'est la quinzaine, je ne me souviens plus très bien. Je ne l'ai jamais reçu, donc je n'ai pas pu mémoriser. Qui me demande, est-ce que vous pourriez faire un compte-rendu du livre de Magali Molinier? Et je me suis dit, oh que oui. Et j'ai explosé ma colère en disant, voilà ce qui m'est arrivé. Et voilà ce qu'on ne sait pas. Et voilà pourquoi la lecture du livre de Magali Molinier ne calmera pas ma colère, mais me donne l'espoir qu'il y ait des discours de résistance par rapport au discours des psys et par rapport à cette obligation qu'il y a de faire son deuil. Et donc, ça veut dire qu'en écrivant cet article, je faisais quelque chose qui était pour moi intéressant, c'est que je transformais une question personnelle en une question philosophique. Et que ma vie personnelle allait commencer à donner des prises qu'elle n'avait jamais fait. Donc c'est toujours ma vie professionnelle qui avait bouffé ma vie personnelle jusqu'à la réduire à une peau de chagrin. À ma grande joie, mais quand même. Et ici, c'est le contraire qui se passait. Ma vie personnelle allait chercher, en philosophie, des modes d'appréhension et commencer à déborder et commencer à contaminer la vie professionnelle. Et j'ai pensé que c'était la chance de ma vie. Et donc deux événements en même temps. Cette merveilleuse exposition de la Villette, où j'allais apprendre le plus que je pouvais apprendre,
et recevoir des soutiens extraordinaires dans mon travail sur les animaux, trouver des jeunes chercheurs avec qui je pourrais travailler, des choses comme ça. Et en même temps, de trouver un motif de faire quelque chose d'une expérience personnelle qui attendra la fin de l'exposition pour pouvoir être mise au travail. Mais elle a commencé à dormir d'un sommeil tranquille, mais prête à être réveillée.